Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, dinguerie les mecs. J'ai trouvé ça, c'est une petite pochette, je me suis dit que ça allait fort vous intéresser. Et voilà, on peut ranger des petits objets dedans et tout, c'est super cool. Et évidemment, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Petite Insta360 One X3 et franchement, c'est une dinguerie. Je vous l'annonce tout de suite, c'est ma nouvelle caméra pour faire les vidéos vélo trottinette. Et alors pour le coup, Insta, mais ils m'ont régalé, ils m'ont envoyé une blinde d'accessoires avec. Alors on va pas faire un unboxing de tous les accessoires qui vont avec, hein. On va se concentrer sur la caméra, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui viennent avec. Alors comme vous pourrez le voir, j'ai reçu vraiment un gros carton avec plusieurs choses dedans. Il y a un petit peu de tout. Là pour le coup ils m'ont vraiment mis bien en accessoires. Alors ça va surtout être des accessoires pour le vélo et la trottinette. Donc on a des harnais pour filmer en mode troisième personne. On a des petits supports de recharge pour charger les batteries. Ils m'ont envoyé des batteries, bien évidemment ils m'ont envoyé la caméra. Une petite sacoche de rangement. Une carte SD, ça fait toujours plaisir. C'est du stockage en plus. Une batterie supplémentaire, un kit pour le vélo. Un autre kit pour le vélo, en fait j'ai eu deux kits pour le vélo. Une perche à selfie qui devient invisible à la caméra. Des supports pour mettre dans la voiture, à l'extérieur de la voiture. Des protèges objectifs, des pochettes. Bref, vous l'avez compris, ils m'ont régalé. Alors pour le coup, c'est moi-même qui ai contacté la marque pour leur proposer de présenter la caméra sur la chaîne, si ça les intéressait. Ils m'ont dit oui. Et donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à me décider pour prendre cette caméra. C'est vrai que celle-ci est sortie maintenant il y a quelques temps. Alors c'est la toute dernière de chez Insta, hein. Elle est sortie il y a pas très longtemps, mais elle est pas sortie hier. Et du coup, je voulais pas prendre une caméra histoire de dire bon bah ça y est, j'ai une nouvelle caméra. Surtout que j'ai déjà des caméras qui filment très bien, mais par contre, je n'avais jamais testé la 360. Et c'est là vraiment tout le principe de cette caméra. Avec ça, vous n'avez plus besoin de cadrer quoi que ce soit, c'est elle qui vous cadre, peu importe dans l'angle que vous la mettez. Et vous avez bien sûr une stabilisation avec ça, mais qui est juste incroyable. Exemple, je peux bouger la caméra comme ceci dans tous les sens, en même temps que je me filme, et si je lui dis de rester focus sur moi, vous n'allez même pas voir que je bouge la caméra dans n'importe quel sens. Et elle est là l'incroyable puissance de cette caméra, c'est qu'en fait, c'est elle qui va vous cadrer, c'est plus vous qui vous cadrez. Donc fini de se dire est-ce que je suis dans le cadre ou pas, quoi qu'il arrive, vous y êtes. Alors déjà, dans un premier temps, je vous propose de faire l'unboxing de la caméra et on se penchera juste après sur les spécifications. Donc on va recevoir ça dans une boîte très classe, très sobre, hein, avec Insta360 sur la boîte, il y a le nom de la marque et tout, c'est nickel. Au moins, on sait ce qu'on a acheté. On ouvre la boîte directement à l'intérieur, nous allons retrouver la caméra. On va avoir d'abord, avant de prendre celle-ci, une petite boîte d'accessoires. Donc le câble de recharge bien évidemment. Une petite pochette pour pouvoir transporter votre caméra partout en toute sécurité. Des stickers si vous voulez les coller où vous voulez. Un petit peu de paperasse pour l'utilisation bien évidemment. Une petite chiffonnette très douce au toucher. Parfait pour nettoyer vos objectifs. Et bien sûr la caméra, c'est vrai que dès qu'on la prend tout de suite, on sent qu'on a quelque chose dans les mains. C'est pas quelque chose qui va faire cheap. Il y a une certaine qualité qui est là, donc ça rassure et ça fait plaisir. Alors attention, ça fait pas 3 kilos non plus, hein, mais tu sens que t'as quelque chose dans les mains et ça c'est cool. C'est vraiment dans le sens positif où je dis ça et pas dans le sens ouais c'est super lourd. D'un côté, on va retrouver un objectif ainsi que l'écran qui sera tactile, bien évidemment. On va retrouver deux boutons, un qui nous servira pour l'enregistrement, l'autre à naviguer dans les menus. Sur le derrière, on va retrouver bien sûr le deuxième objectif, puisque c'est une caméra 360, hein, c'est le but. Nous allons retrouver le logo de la marque directement derrière la caméra, ainsi qu'une petite LED qui s'allumera ou bien bleue ou bien rouge, histoire de vous indiquer si vous enregistrez ou pas. En passant, vous avez la même LED devant. Vous pourrez bien entendu visser la caméra sur un trépied si vous le voulez. Ça vous servira également à la visser sur la perche selfie et puis sur tous les autres accessoires. Sur le côté, vous allez retrouver deux boutons, donc bien sûr le bouton marche arrêt et l'autre va servir pour naviguer dans les menus de personnalisation, c'est à dire que vous allez pouvoir directement faire des presets. Puisque cette caméra ne filme pas forcément juste à 360, vous allez pouvoir vous en servir comme caméra classique. Vous pouvez choisir si vous le voulez de faire fonctionner un seul objectif et donc là vous en servir comme une simple caméra d'action par exemple. Alors à l'intérieur vous avez déjà des personnalisations qui sont préconfigurées, hein, par exemple pour le timelapse, pour le mode photo. Et oui, vous allez pouvoir faire des timelapse avec cette caméra et des timelapse plutôt très stylés. Tout ça, bien sûr, ça va se passer dans l'application Insta360 que vous allez pouvoir retrouver sous Android ou iOS. Alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. On va d'abord parler de la caméra, ensuite je vous parlerai des applications. Alors déjà, on a vraiment de très bonnes specs sur cette caméra. Elle va être capable de filmer en 4K jusqu'à 60 fps. Alors, en mode 360, hein, c'est-à-dire qu'elle va prendre du Full HD des deux côtés. Si vous voulez, elle va filmer deux fois en Full HD. Elle va pas nous sortir du 4K 60 fps par objectif. En revanche, vous pouvez très bien mettre la caméra en mono objectif, c'est-à-dire juste d'un côté. Et là, vous allez pouvoir filmer en 4K jusqu'à 30 fps, ce qui reste très correct. Mais pour moi, la force de cette caméra, c'est de l'utiliser bien sûr en mode 360. Donc vous allez pouvoir filmer soit en 4K 60 fps, soit en 5,7K jusqu'à 30 fps. En mode 360 toujours. Personnellement, je préfère privilégier la fluidité plutôt que la qualité, puisque pour moi, la fluidité apporte une qualité. Je sais pas si je me fais bien comprendre pour le coup, mais moi, je préfère filmer en 4K 60 fps plutôt qu'en 5,7K 30 fps. Alors, au niveau des menus, je trouve qu'on a vraiment pas mal d'options, mais ça reste très intuitif malgré tout. Avec cette caméra, vous allez pouvoir faire des timelapse, des bullet time. Alors après, ça se fait avec un accessoire bien particulier que je n'ai pas.
En même temps, c'est pas ce que je recherche à faire avec la caméra. Moi, je vous évoque un petit peu toutes les possibilités qu'il y a à faire avec cette Insta360. Après, je vous parlerai de mon utilisation personnelle. Vous avez le mode HDR sur la caméra. Donc ça, ça va être parfait si par exemple, vous filmez à contre-jour ou avec beaucoup de lumière. Ça va gérer l'exposition aux petits oignons. Alors, en mode HDR, la caméra va avoir tendance à chauffer un tout petit peu plus. D'ailleurs, tu as un petit message qui te l'indique dès que tu actives le mode HDR. Alors après, à voir comment ça se comporte par grande chaleur dehors. Moi, je sais que par exemple, j'ai une Sony RX0. Donc à partir d'une certaine température, la caméra se met en veille. Je sais que par exemple, c'est horrible quand je filme en pleine canicule avec cette caméra, je vais pas pouvoir filmer pendant une heure. Après, je la plonge dans l'eau histoire de la refroidir, je la rallume et elle se rallume direct. Mais au bout d'une certaine température, la caméra se met en veille d'elle-même. C'est une sécurité. Donc à voir si ça fait pareil avec la Insta360. Pour le moment, je n'ai pas assez d'utilisation pour vous le dire. Donc si vous êtes déjà utilisateur de la caméra, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires pour me dire si oui, effectivement, ça se met en veille ou bien pas de souci par rapport à la chaux. Alors moi, à la base, j'ai choisi cette caméra pour les vidéos que je fais sur les vélos, les trottinettes, les vidéos que je fais en extérieur, tout simplement. Je trouve que ça les rend vraiment plus dynamiques. Il y a tellement moyen de faire plusieurs plans stylés avec tous les accessoires qu'il y a avec ou quoi, la positionner dans un sens, dans l'autre. Je trouve que ça développe vraiment votre créativité au niveau du montage des vidéos. Vous avez vraiment de quoi faire des plans de dingue si vous vous démerdez bien. En tout cas, pour les vidéos vélo, vous allez voir, mais j'ai vraiment pris plein de plans avec, sous tous les angles un petit peu possible. Et tout ça mis bout à bout, je trouve que ça rend vraiment la vidéo beaucoup plus dynamique qu'avec des plans fixes comme j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que d'habitude, j'ai plus tendance à poser ma caméra par terre sur un trépied. Et puis voilà, je passe devant histoire de faire des plans pour illustrer la vidéo. Là, je mets ça directement sur le vélo et je peux vous faire les plans en direct en roulant. En direct, je me comprends bien évidemment. Et c'est surtout pour cette utilisation que j'ai pris cette caméra. Après, bien sûr, vous avez d'autres utilisations avec celle-ci. Vous allez pouvoir faire des stories directement sur Instagram, partager des photos sur vos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, partager des photos directement 360. Donc ça, c'est cool. Vous savez, les gens vont pouvoir directement naviguer sur la photo. Vous pouvez exporter directement des vidéos à 360. Mais dans ce cas-là, vous n'allez pas faire de montage sur la vidéo. Ce sera un rush brut. Oui, ça, faut le savoir parce que c'est des petites choses que, par exemple, je ne savais pas avant d'avoir la caméra 360. Faut savoir que des caméras 360, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, je pense clairement, c'est les leaders du marché. Mais moi, naïf comme je suis, il y a encore pas si longtemps que ça, je pensais que tu prenais ton petit fichier 360, tu le mettais dans Sony Vegas, puisque bon, c'est ce logiciel de montage que j'utilise. Et puis vas-y, hein, tu retravaillais ta vidéo 360 comme ça directement dans Sony Vegas. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à contacter la marque aussi, parce que je me suis dit, voilà, ça va rajouter un petit travail en post-prod ou quoi. Mais vous allez voir qu'en fait, rien n'est compliqué. Ça reste assez simple d'utilisation. Vous avez effectivement un petit travail à faire en plus en post-prod. C'est ce travail qui me faisait peur. Au début, je me suis dit, bah attends, je gère déjà un logiciel de montage. J'ai pas envie d'en gérer un autre, devoir exporter des fichiers, les réexporter ensuite pour les retravailler dans un autre logiciel. Tout ça, ça me faisait un petit peu peur. Et en fin de compte, une fois que t'as pris le coup de main, parce que bon, il y a un petit coup de main à prendre, alors c'est vite fait le coup de main, hein, t'exportes tes fichiers dans le logiciel Insta360 Studio. Donc c'est un mini logiciel de montage, on va dire, hein. Vous n'allez pas faire des gros montages, vous allez pré-travailler votre vidéo pour ensuite la travailler dans votre logiciel de montage. En fait, ce que vous allez faire dans Insta360 Studio, c'est que vous allez simplement recadrer vos plans. Donc vous le savez, vous mettez par exemple votre caméra sur votre vélo, la caméra, elle, va filmer tout ce qui se passe autour, donc en 360. Après, ce sera à vous de recadrer dans le logiciel ce que vous voulez qu'elle cadre justement. Est-ce que vous voulez qu'elle vous cadre vous? Est-ce que vous voulez qu'elle cadre un plan particulier? Est-ce que vous voulez qu'elle cadre devant, sur les côtés? Bref. C'est vous qui choisissez, c'est votre créativité. Une fois que vous avez recadré vos plans, à partir de là, vous exportez tous vos fichiers et vos fichiers, vous pourrez les retravailler ensuite dans votre logiciel de montage, que ce soit Adobe Premiere, Sony Vegas ou un autre logiciel. Et en fin de compte, c'est vrai que cette partie recadrage, au final, elle est très simple. Moi, elle me faisait peur, je vous avoue, parce que je me suis dit, ouais, mais ça va rajouter un boulot monstre en post-prod ou quoi. Et bah, pas du tout, en fait. Le logiciel est très simple et très intuitif. C'est pas un gros logiciel de montage. Comme je vous le dis, c'est vraiment de la préédition que vous allez faire. Alors, dans ce logiciel, Insta360 Studio, vous allez pouvoir affecter des effets à vos plans. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, vous filmer, il y en a que j'aime pas trop, hein, je vous le dis, hein, dans une boule de cristal, genre en Tiny Planet, ça fait style un petit peu, tu te balades à la Animal Crossing, tu vois, sur une petite planète. Moi, c'est rigolo, mais je trouve pas ça super stylé pour une vidéo. Après, ça peut être marrant, ça peut plaire à certaines personnes, ces effets-là. Hein. Moi, personnellement, c'est pas des effets que j'affectionne particulièrement. Je préfère les plans simples, basiques, sans trop de déformation. D'ailleurs, cette déformation, vous allez pouvoir la retravailler au montage, hein, puisque vous allez pouvoir stabiliser vraiment tous vos plans avec cette caméra. Vous pouvez lui dire, par exemple, de stabiliser l'horizon. Et la caméra ne bougera pas d'un gramme. En tout cas, vos plans ne bougeront pas d'un gramme. Même si votre caméra sur le volet fait tec 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 tec, et ben le plan, lui, il sera net et droit. Et ça, c'est vraiment la force de cette caméra, c'est qu'il y a une stabilisation qui est juste incroyable. De toute façon, pendant que je parlerai, vous aurez vu, je vous aurais mis pas mal de plans avec mon vélo ou quoi. J'ai fait du vélo sur la plage, j'ai fait du vélo un petit peu partout dans les chemins ou quoi.
Voilà, donc j'ai pris vraiment beaucoup de plans avec cette caméra. Je me suis amusé à prendre différents plans. Ce qui est cool, ça va être le stick. Alors le stick, je crois qu'il a une longueur, je l'ai juste ici. Je sais pas exactement combien de mètres il fait. Il est pas si grand que ça, je crois qu'il fait 1m50, il me semble. Peut-être pas. En tout cas, il est assez grand pour faire des plans, vous le voyez derrière moi. Et donc, ce qui est cool avec cette perche, c'est qu'elle sera invisible à la caméra. En fin de compte, si vous voulez, tout ce qui passe en filet droit en dessous de la caméra, là, ce sera invisible. C'est pour ça que bien souvent, lorsque vous faites des plans avec cette perche à selfie, on a toujours l'impression de se retrouver avec un moignon à la place de la main. Enfin voilà, moi je trouve que ça fait une sorte de moignon quoi. C'est vraiment stylé parce qu'on peut faire des plans de dingue. De toute façon, j'agrémenterai la vidéo bien sûr avec les plans que j'ai pris. Hein. Mais vous pouvez faire style, genre il y a un drone qui vous suit, genre c'est quelqu'un qui vous filme derrière ou quoi. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses avec cette caméra, avec cette perche. C'est votre créativité qui parle en fait. Avec un joli manche, bien sûr, un manche très doux au toucher, un peu en caoutchouc, hein. Plutôt en silicone. D'ailleurs, c'est la même matière qui se trouve sur la caméra. C'est du silicone qu'on a juste ici. Et voilà, très doux au toucher, très agréable. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là sur la partie montage vidéo, hein, je mets des guillemets puisque c'est pas réellement du montage, hein, sur la partie Insta360 Studio, vous allez pouvoir retrouver la même partie sur votre téléphone. Vous allez pouvoir faire la même chose sur votre téléphone, tout simplement. La partie téléphone, parlons-en, parlons bien, parlons peu surtout, hein, puisque je vais pas m'attarder beaucoup dessus. Je trouve en fait, il y a deux raisons par rapport à cela. La première, c'est parce que mon téléphone, il lag de ouf avec l'application. C'est une misère pour pouvoir avoir une prévisualisation qui lag pas ou quoi. Et la deuxième raison, c'est surtout qu'en fait, je trouve ça pas super pratique de faire un montage avec le téléphone. Respect à ceux qui font des TikTok et tout, super sophistiqués avec des coupures, machin, nana, des textes et tout sur vos téléphones. Moi, perso, je galère. Il me faut 15 ans pour faire un TikTok. Donc, au niveau application, que ce soit sur Android ou iOS, vous allez pouvoir faire la même chose qu'avec Insta360 Studio. Après, si vous avez des gros doigts ou quoi, pour peu que vous cliquez partout, moi, je trouve ça pas super pratique de faire un montage sur le téléphone. Ça, c'est mon avis. Après, sur une tablette, pourquoi pas. Mais sachez une chose, c'est qu'il va vous falloir un téléphone avec des specs assez solides pour pouvoir faire tourner la prévisualisation de la caméra. Et pour moi, niveau édition vidéo, rien ne vaut le confort d'un clavier et d'une souris et d'un écran. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'application que j'ai juste ici, vous le voyez, vous allez pouvoir faire des choses plutôt sympas, hormis le montage vidéo. Comme je vous le dis, directement via l'application téléphone, vous allez pouvoir partager par exemple des stories. Ce qui est cool, c'est que la caméra elle-même va vous créer des stories un petit peu... Qu'est-ce qui faisait ça aussi? Il y avait un autre truc qui faisait ça, je ne sais plus c'est quoi. Enfin, il y a des applications qui font ça. Eh bien, l'application Insta360 fait la même chose. Elle va vous créer des stories en rythme avec la musique ou quoi. Vous avez juste à lui sélectionner des vidéos et puis elle va les remettre dans un sens avec un petit rythme, une musique et tout. Voilà, c'est plutôt sympathique, c'est cool. Maintenant, moi, c'est vrai que c'est pas pour cette partie que j'ai pris la caméra. Comme je vous le dis, moi, c'est plus la partie édition vidéo qui va m'intéresser pour les montages vélo, trottinette, les vidéos extérieures, plutôt que la partie partager des stories. Vous allez pouvoir partager des timelapses et tout directement via la caméra, hein, directement, que ce soit via la caméra ou via le téléphone. Ça, c'est vrai que c'est un côté pratique. Pas besoin d'exporter tes fichiers ou quoi, machin. La caméra, elle se connecte en 2-2 au téléphone. Après, tous tes fichiers, tu vas les retrouver directement dedans. En fait, t'enregistres tes plans avec la caméra et directement, tu vas pouvoir les retrouver et les retravailler dans ton téléphone. Donc, pas besoin d'exporter ta carte SD dans ton ordinateur ou quoi. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'exporte mes fichiers directement dans ma tour. Après, je les retravaille. Mais comme je vous le dis, pour moi, je trouve ça plus pratique que sur le téléphone. Après, chacun, il fait ses bails comme il veut. Il y en a, ils préfèrent sur le téléphone. Il y en a, ils préfèrent sur l'ordinateur. Mais vous allez pouvoir vraiment retrouver plusieurs choses sur cette application. Vous allez avoir des tutoriels qui vous disent un petit peu comment faire, voilà, quel plan vous pouvez prendre, enfin... Voilà, vous allez vraiment avoir plein de choses avec cette application. C'est très détaillé, c'est très ludique, c'est pas compliqué. Moi, pour ma part, je me suis pas servi de l'application téléphone, hein, tout simplement parce que bah, mon téléphone n'est pas assez solide en termes de spec pour supporter l'édition vidéo. Après, ça va être correct si vous voulez faire une petite story ou quoi, tu vois. Mais voilà, aucun souci si vous avez les derniers Samsung, les derniers iPhone ou quoi, voilà. Si vous avez un téléphone bien costaud, aucun souci. Maintenant, je vous le dis, avec cette petite Insta360 One X3, ils ont tué le game au niveau des caméras d'action. Ils ont tué le game au niveau des dashcams. Oui, parce que vous pouvez la mettre dans votre voiture pour l'utiliser comme une dashcam. Voilà, ça va filmer devant, derrière vous, sur les côtés. Enfin, c'est juste énorme. Et c'est vrai que là, pour le coup, mais ça surpasse largement GoPro. Alors, GoPro, je sais pas s'ils ont fait des caméras 360. Je sais pas du tout. Il me semble que si. Mais là, en tout cas... Les mecs, vous avez un truc, c'est compact, ça prend pas de place. Vous la sortez, vous enregistrez votre truc en 2-2, tac, tac. C'est voilà, pour moi, ils ont tué le game au niveau des caméras d'action. Comme je vous le dis, vous pouvez vous en servir comme une GoPro. C'est-à-dire que vous avez les harnais et tout, hein, y a les accessoires. Hein.
tu cales ta caméra ici, tu t'en vas faire du vélo ou ce que tu veux, de la trottinette, du ski, machin. Et puis voilà, tu filmes ton action tranquille. Bref, vous l'aurez compris, vraiment, j'ai kiffé cette petite caméra. C'est maintenant mon nouvel allié pour les vidéos en extérieur, que ce soit trottinette ou vélo. Et puis si elle vous intéresse, eh ben, bien évidemment, je vous mets un petit lien dans la description. Encore une fois, je remercie Insta pour l'envoi de la caméra ainsi que des accessoires. Vraiment, merci, vous m'avez régalé. Et je vous remercie aussi, vous surtout, de regarder les vidéos, de les suivre. Puisque sans vous, eh bien, ils ne m'auraient pas régalé. Je vous laisse aller checker tout ça dans la description. N'oubliez pas, si vous avez kiffé, le petit like. Laissez-moi un petit commentaire, je répondrai à tout le monde comme d'hab. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!